J'ai l'honneur de céder la parole à Estelle Cambe, qui est déléguée pédagogique de l'éditeur MD, donc anciennement appelé Marcel Didier. Et puis, notons que cet éditeur est un éditeur québécois à l'origine de la création de ce matériel. Alors, Estelle, nous te remercions d'être avec nous aujourd'hui, en ce moment, et puis nous te laissons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à Claire Le Carpentier et aux après-cours FGA de m'avoir invité à présenter cette méthode. Ça me fait bien plaisir et puis j'espère que ça va être un moment agréable pour tout le monde. Les Alors, auteurs, qui sont-ils? Ce sont trois auteurs qui sont des professeurs donc de français et de francisation. Qui ont beaucoup travaillé pour le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Nancy Desjardins travaille aujourd'hui en Cégep. Elle a été conceptrice des cahiers textuellement vôtres, que vous connaissez peut-être, que vous utilisez pour les compétences écrites. Michel Usereau a apporté son expertise sur le nouveau programme cadre de français que vous mettez en place également. Et donc, qui lui a permis, cette expertise-là lui a permis de concevoir un matériel aligné sur, non seulement sur l'échelle québécoise, mais sur la progression définie dans le programme cadre. Le public à qui s'adresse cette méthode? Elle s'adresse donc aux jeunes adultes non francophones qui viennent s'installer ici au Québec. Plus largement en Amérique du Nord, bien entendu, nous adressons aussi aux francophones hors Québec ou aux gens qui vivent à l'extérieur du Québec et qui sont arrivés à un niveau 3-4 de l'échelle québécoise. Et si on veut mettre une équivalence par rapport au cadre européen qui est en vigueur partout ailleurs, le niveau A2 du cadre européen élémentaire usuel. C'est une méthode d'apprentissage qui va aller non seulement dans les centres d'éducation aux adultes, mais aussi dans les cégeps, les écoles de langue, les universités. L'approche pédagogique, c'est une approche communicative, donc une des dernières approches que les enseignants connaissent et avec laquelle ils sont familiarisés, basée donc sur les situations de communication, de la vie quotidienne, et qui fait une large part à l'oralité. Vous allez le voir tout à l'heure quand on écoutera des extraits. L'oralité d'ici, donc de l'Amérique du Nord, québécoise et pas seulement. Et donc la démarche qui est préconisée, c'est une démarche inductive qui part des situations, de la vie, des documents authentiques, à ensuite la déduction de la règle de grammaire, de la règle de fonctionnement de la langue. Et bien entendu, cette méthode œuvre également au rapprochement culturel hein, et à l'interculturalité. Donc, elle développe à chaque fois, pour chaque, vous verrez chaque épisode, des compétences qui sont liées à cette interculturalité et qui prend en compte aussi la culture des élèves. Le sommaire, donc on va arriver à la structure cet ouvrage. Le sommaire est divisé en 4 saisons. Donc, ce sont les saisons qui donne, si vous voulez, le rythme de cette progression et qui permet aussi d'ancrer le contenu dans une réalité géographique et culturelle bien définie, notamment l'hiver, comme on pourra le voir. Les saisons sont elles-mêmes divisées en différents épisodes. Il y a 26 épisodes dans la méthode. Les épisodes, donc, scénarisent les situations autour de quelques personnages représentatifs d'une famille québécoise moderne, ouverte sur la diversité notamment. Et donc, ils sont une sorte de fil conducteur dans la progression. Je vais vous donner un exemple avec l'épisode 8. L'objectif principal, donc, en termes de communication de l'épisode 8, c'est décrire des vêtements, être capable de faire un achat dans un magasin. Mais bien entendu, cet objectif, il est rattaché d'abord à une situation quotidienne, une situation de communication qui est à la fois de la communication, mais aussi un fait culturel, qui est l'organisation d'une soirée de troc de vêtements
Donc vous voyez dans la colonne de gauche, on vous présente la situation avec le personnage qui est mis en scène, qui va rencontrer ses amis pour une soirée de troc de vêtements. Et puis on va donner des pistes culturelles et puis demander aux élèves de parler du troc de vêtements. Est-ce qu'ils connaissent ce fait? Est-ce qu'ils ont déjà participé à du troc? Est-ce que ça se fait dans leur pays? Enfin, on amène la culture au tout début aussi de l'épisode. Donc on va développer des compétences ensuite de linguistique. Vous voyez dans la colonne compétences à développer, il y a les trois objectifs de communication qui sont décrits. Et ensuite, les contenus linguistiques vont aborder les notions de lexique, de grammaire. Donc, bien entendu, on va trouver le vocabulaire des vêtements. On va parler des adjectifs de couleur, comment ils se forment, comment ils s'écrivent. La taille des vêtements, c'est un fait culturel aussi pour les gens qui ne sont pas habitués aux tailles nord-américaines. Le conditionnel présent va être requis pour formuler des demandes et des questions dans un magasin. Les adverbes trop et pas assez pour exprimer une appréciation sur ce qu'on va acheter. Et les déterminants démonstratifs pour désigner ce qu'on veut acheter ou ce qu'on veut échanger. Les pistes culturelles sont présentées aussi dans le tableau des contenus. Là, vous en avez un petit extrait. Ici, il s'agit du troc. L'histoire, c'est une histoire canadienne cette fois-ci, d'un certain McDonald's qui aurait échangé sur Internet un trombone rouge et se serait retrouvé au bout d'un certain nombre d'échanges avec une maison. Une histoire extraordinaire. La structure de l'épisode, il est composé de trois parties à chaque fois, trois parties qui suivent une progression logique et pédagogique allant de la découverte à la réutilisation dans un autre contexte. Donc découverte, ça, c'est plusieurs exercices qu'on verra un petit peu plus tard, et exercices de questions sur le thème. Passer à l'action, c'est plusieurs pages d'exercices sur les objectifs de communication qui ont été retenus. Et puis aller plus loin, ça va être une mise en pratique en équipe dans des jeux de rôle, des scénarios, d'autres scénarios. On va maintenant s'intéresser à un épisode en particulier, qui est l'épisode 8. Il est dans la saison hivernale, comme vous allez l'entendre. Il commence par la découverte. Les questions qui sont posées aux élèves, je vais vous les lire pour que vous puissiez bien les comprendre. Première question, aimez-vous la mode? Deuxième, où achetez-vous vos vêtements? Troisième, achetez-vous parfois des vêtements usagés? Donc là, on rentre dans le sujet qui est le troc de vêtements. Connaissez-vous les soirées de troc de vêtements? On rentre ici dans le dialogue interculturel. Puis, on va écouter. Épisode 8. Piste 1. Page 63. J'ai besoin d'une tuque et de mitaines chaudes. J'en ai vu ici. Tiens, regarde la belle tuque verte. Ah, ces mitaines grises-là sont super chaudes. Ah oui, la tuque est vraiment belle. J'aime la couleur. T'as raison, les mitaines sont chaudes. Elles sont à toi, ma chère. Moi, j'aimerais ça trouver une belle petite jupe courte, noire. Ah, mais il y en a plusieurs ici, Vanessa. Quelle taille tu portes? Tu devrais les essayer. Je prends du 5, normalement. Ah, regarde, cette jupe-ci, c'est une 5, justement. Oh, essaye ce chandail-là avec. Ah, oui, il est joli. Oh, et puis il est doux, en plus. C'est la première fois que je participe à un troc de vêtements. C'est une super bonne idée. Oui, c'est vraiment le fun. On fait ça deux fois par année, pour l'hiver et pour l'été. Les filles, comment vous trouvez ma nouvelle robe? Oh, wow! Elle te va vraiment bien. Merci Claire. On a écouté le dialogue sur lequel donc des questions vont être posées, des questions de compréhension. Ensuite, on va passer à l'action tout de suite après. Donc l'action va venir après la compréhension, l'écoute. Il s'agit d'entrer donc dans une série d'exercices variés qui vont développer les différents points
de communication et de grammaire et de lexique qui sont abordés. Donc ici, vous êtes sur la page « Exprimer une demande ». Donc l'expression de la demande se fait à travers cinq activités différentes, allant de la compréhension de phrases à la production orale, au jeu de rôle. Parmi ces exercices, il y a toujours un exercice qui est oral, donc qui est lié, si vous voulez, à l'écoute orale. Donc, Claire, si tu veux, tu peux nous faire écouter la piste 3 qui correspond donc à plusieurs phrases qu'on écoute. Épisode 8. Piste 3. Page 66. 1. J'ai besoin d'un manteau d'hiver. 2. Est-ce que je pourrais essayer cette tuque-là? 3. Je voudrais avoir un pantalon noir, s'il vous plaît. 4. Est-ce que vous aimeriez voir ce modèle? 5. Est-ce que je peux vous aider? Merci. Donc, il s'agissait, comme vous l'avez sans doute compris, de reconnaître les formes conditionnelles, puisque dans ce passé à l'action, le mémo qui se trouve en bas de la page reprend les trois verbes aimer, vouloir et pouvoir au conditionnel, donne la conjugaison et nous permet ensuite de poser des questions dans un magasin. Donc, il y a ce mémo-là et juste à côté, il y a un mémo qui présente les adverbes trop et pas assez. Donc, vous voyez que l'approche de la grammaire est une approche utilitaire qui est mise au service des objectifs de communication. Et puis, une approche inductive, comme j'avais signalé au départ, qui se fait dans le déroulement d'un travail de compréhension. Une fois que les exercices sont réalisés, on passe à la dernière partie de passer à l'action, qui est aller plus loin, c'est-à-dire mettre en pratique les nouvelles compétences hors la classe, ou en tout cas d'une façon non magistrale, à travers des activités de groupe, des jeux de rôle, comme ici on suggère de faire la description des vêtements portés par des élèves qui se seraient déguisés, qui auraient organisé un défilé, ou on peut aussi suggérer d'organiser soi-même un troc de vêtements et de rejouer la situation initiale avec tous les acquis qui sont arrivés entre-temps. Voilà la structure d'un épisode. La question à laquelle je m'attends, c'est est-ce qu'il y a une évaluation dans cette méthode et comment elle est faite? Elle est faite dans l'épisode bilan. L'épisode bilan arrive au bout de plusieurs épisodes. En fait, il y a 4 épisodes bilan qui viennent à la fin des 4 saisons et qui récapitulent les bilans vus dans chaque saison. Ici, nous sommes au bilan de la saison hivernale. Donc c'est le bilan 14, et dans ce bilan, on va à la fois réinvestir les compétences qui ont été acquises à travers, et donc faire des exercices qui vont être évalués avec des grilles, qui vont donner lieu à une réflexion sur les stratégies d'apprentissage et qui vont être réinvestis dans un projet phare réalisé en équipe. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc effectivement, comme j'ai dit, l'évaluation vient au bout d'un certain nombre d'épisodes. On va voir justement dans la diapo suivante comment elle arrive, cette évaluation. Vous voyez, l'épisode 8 qui concerne donc les vêtements, comme on avait dit, l'achat d'un vêtement, il est évalué sur une page dans l'épisode 14. Donc, rien n'empêche l'enseignant d'aller déjà à l'épisode 14 faire son évaluation de l'épisode 8. À la fin de l'épisode 8, il est libre de naviguer dans le manuel comme il le souhaite. Donc, quand on arrive à cette page, on va demander
à l'élève de refaire des petits exercices toujours assez communicatifs, d'écrire des vêtements en réutilisant le vocabulaire, écouter des phrases et dire qui parle, est-ce que c'est le client, est-ce que c'est la vendeuse, ou est-ce que c'est le vendeur et la cliente, et puis se mettre soi-même en situation de jouer l'achat, par exemple, de vêtements pour l'hiver dans un magasin. Et comme pour répondre à votre question, Madame Roy, vous voyez qu'à la fin de cette page, il y a une sorte de tableau d'évaluation où l'élève va cocher la bonne case, c'est-à-dire va apprécier sa compétence à décrire des vêtements, comprendre des informations sur un vêtement et poser des questions sur un vêtement. Puis, le projet phare vient en dernier. C'est une activité de récapitulation et de mise en situation des compétences acquises. Ici, il s'agit de mettre en pratique tout ce qui a été appris pour planifier un séjour. Donc, se mettre par équipe. On pige, chaque équipe va piger une destination et une date. Et à partir de là, faire des recherches sur la destination qu'elle a pigée et sur l'hébergement, le voyage, les visites, les attractions touristiques, les productions culturelles à l'affiche, la météo, les vêtements qu'elle va mettre dans ses bagages et va présenter ensuite au groupe ce qu'elle aura planifié. Et il y aura une sorte d'évaluation, on peut dire formative, qui va se faire au sein du groupe à partir des présentations de chaque équipe. Donc, je vais arriver tranquillement vers la conclusion. Donc, pour conclure, donc, il s'agit d'un matériel qui est, comme vous avez pu voir, un matériel qui est axé sur l'oralité, sur la culture nord-américaine, qui s'aligne sur le programme cadre. Nouveau programme cadre et qui suit donc à la fois l'échelle québécoise des compétences et qui veut aussi bien entendu proposer une méthode d'apprentissage qui équivalente au cadre européen, donc qui joue un petit peu sur les deux et qui propose beaucoup d'actions, d'activités donc destinées au faire, à l'agir. En termes d'horaire, de nombre d'heures, on dit à peu près 120 heures, mais effectivement, ça dépend après de la manière dont vous faites cours et de la situation des différents centres d'éducation et des différentes écoles. Donc, c'est une approximation, bien entendu. Le livre, il est unique. Donc, c'est un livre qui comprend à la fois le rappel des notions et les exercices. Avec le CD inclus, on peut aussi accéder à l'audio en allant sur le site internet de la méthode. On y trouve des pistes audio. Bon, je vous ai donné des informations sur le tarif. Bien entendu, c'est des questions qui s'abordent dans un second temps, bien entendu. Qui suis-je ? C'est Estelle Combe, c'est moi. Vous avez l'adresse et le téléphone. Je serai heureuse de communiquer avec vous dans un second temps.